Bonjour les amis, on se retrouve dans Avatar Frontiers of Pandora sur PC et on va continuer les let's play. Dans le let's play précédent, on avait repéré un site de pollution ici près de la rivière du Mentor. Je vais vous montrer où on est. On va chercher le grand arbre. Le grand arbre est ici. Vous avez là la forêt soyeuse. Vous zoomez un petit peu et vous allez aller complètement à gauche ici, à ce laboratoire-là qu'on a déjà débloqué, qui est le laboratoire des cascades. Et de là, vous pouvez aller ici pour mettre fin à ce site de pollution. C'est parti. Alors, on va prendre l'icrane, hein, ça ira plus vite. Je sais pas où on en est niveau énergie. Moi, ça va encore. On y va, tes mecs. Il y a des hélicos. Bon, on va les laisser, hein. Ils sont très hauts. Je pense pas qu'ils vont nous attaquer. On verra bien. J'aimerais autant essayer de garder mes munitions. Tiens, c'est quoi ce truc-là? On peut rien en faire, ok. On fonce. Ne volez pas trop, ça vous évitera de vous faire attaquer par les hélicos. On est à 400 mètres de la zone à attaquer. On dirait une autre tour d'extraction de gaz. On va se poser ici. On va prendre une autre arme. On va prendre notre arc. On va aller voir ça. On voit déjà des ennemis ici. Hein. Donc on est exactement là. Tu dois provoquer une purge de la grosse tour en augmentant le flux de gaz et essayer de faire vite. C'est donc l'extracteur gaz Echo. Série d'ennemis. On va commencer par celui-là. On va le tirer dans le dos. On va s'approcher un peu. T'as pas d'autres conneries à éviter. On va attendre qu'il s'arrête. Hein. On va le tirer pile dans le point faible. Raté. Ça c'est pas de bol. On va changer d'arme, on prend le fusil à pompe. J'ai besoin d'aide. On va contourner. Faut pas prendre trop de tirs. Le but c'est qu'ils nous perdent de vue. Il y a un hélico qui arrive. Est-ce qu'il y a l'hélico? Je le vois pas. Ah si, il est là. Bon, on le laisse tranquille. Il y a un robot qui nous suit. Il nous a perdus. Alors, si on achève, on s'en est débarrassé. On va situer le petit soldat ici. Passer par ici. Un de moins. Je peux pas
un moins. J'ai activé le premier truc ici. Et voilà. On est par ici. Terminé. Attention à celui-là. Terminé. Oh là là, décidément. Je crois que c'est fini, il n'y a plus personne. Alors, on active ceci. Et encore un truc à faire. Tirer sur les ventilations. Ça, je ferai après. Je vais d'abord aller tirer la dernière manette. C'est ici, je crois. Ah non, c'est là. Ah, il faut activer puis tirer dedans. Ah, oui. Zut. J'avais pas compris. Ok. Ok, comme ça. Et maintenant, faire la même chose avec l'autre manette. Ouais, j'avais pas compris. En fait, c'est différent des autres systèmes. Ici, il faut vraiment tirer. Activer et puis tirer dans le truc. Donc on active, je suppose qu'il y a de nouveau deux bidules qui vont s'ouvrir. Il faudra tirer dedans. Ouais, c'est ça. Hop, un ici. Et l'autre est sur le côté là. Et ça dure qu'un certain temps, donc c'est minuté en fait. Et voilà, cette fois-ci c'est bon. Alors on va faire un petit peu de flèche. On va maintenant récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Ah, c'est pas fini. Tirer sur la ventilation du gaz. Je pensais que c'était terminé. Mais c'est pas fini. Ok, celle-ci, il faut être en dessous, quoi. Je pense qu'il faut être en dessous. Comme ceci. Et voilà. Cette fois-ci, c'est fini. On va essayer de ramasser tout ce qu'il y a à ramasser là-bas. Ici. Je vais prendre une ration, hein, j'en ai beaucoup. Je vais manger une ration pour régénérer mon énergie. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à récupérer? Je suppose que oui. Hein. Un peu le tour. Des munitions, ça vaut toujours la peine. Voilà. Je vois plus rien, mais ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas encore un gros conteneur quelque part? Peut-être bien. Je cherche un gros conteneur. Ah, il y a un truc là. Ah ben voilà. Ah, c'est mission spéciale, ça. Ça, j'ai aussi déjà. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai plein. Et c'est ce conteneur-là que je cherchais. Il y en a toujours un par base, hein, avec un mode. Donc on a le mode, on a les composants, je crois qu'on a tout. Encore un petit truc là-bas, mais c'est peut-être des munitions. Ah non, peut-être pas. Hop. C'est des pièces détachées, parfait. Bon, le reste on a. Je crois que c'est bon, on a tout fouillé. Je ne vois plus rien, on va pouvoir faire un nouveau truc. Voyons voir. On va enlever le point là. Par là, on ne peut pas aller. Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore une tige cloche à récupérer là.
Et on va aller la chercher, hein. Hop. On va faire ça. On va appeler l'icrane. Je sais pas si on peut l'appeler ici. Peut-être pas. On va s'éloigner peut-être un peu. Alors, est-ce que j'ai encore assez de munitions? Pas de munitions de... Pour truc de soins. Non, c'est plein. Ah, ici, il y a les poissons. Mais ne les effraie pas. Plonge ton regard dans l'eau et fie-toi à tes sens. Reste calme et ferme le. Bon, les poissons, c'est pas vraiment ma priorité non plus. Hein. J'ai appelé l'icrane. On va essayer de voler au-dessus de l'eau pour manger du poisson, peut-être. Ça pourrait être chouette. Et on va voir où il atterrit. Il atterrit carrément dans l'eau. Normalement, quand on passe à ras de l'eau, il doit pouvoir manger du poisson et régénérer son énergie. On a du poisson ici, hein. Il y a du poisson là. Non, c'est pas du poisson. Tiens, c'était quoi ce truc-là? Allez, c'est parti pour aller chercher le la tige cloche qui reste ici. On va essayer de finir la zone pour passer après à la zone suivante. Qu'elle sera en hauteur. Wow, ah, c'est bien possible. Donc on va avancer un peu. Voyons voir où on est. Ah, il y a des trucs en hauteur ici encore à récupérer. Et une tige cloche ici en hauteur. Un truc là encore en hauteur. Il faudra aller après. Ici, on se rapproche vraiment de la tige cloche. On n'est plus très loin. Parce qu'elle sera quand même là. Problème de savoir si elle est en hauteur ou si elle est en bas. Je vais aller voir en bas. Ah, je la vois pas. Aïe aïe aïe. Je sais pas si je suis dessus ou pas. Non, je suis pas du tout dessus. La tige cloche est vraiment plus loin encore. On avait les hauteurs, c'est pas possible. Elle doit être en hauteur. On va monter. Voilà. On va voir un peu où on est. On l'a dépassé. On va atterrir. On n'est pas ici. On est vraiment... On est un petit peu trop loin. Il y a encore un truc là aussi. Hein. Il y a encore un truc là-haut, comme on avait dit. On va retourner par là. Encore plus par là. Peut-être une grotte quelque part, j'en sais rien. On est quasiment dessus. Hein. Plus par là et par là. Je crois que je vais me laisser tomber. Je vais me laisser tomber et appeler l'icrane. Voilà. Ça doit être quelque part dans le coin, mais je sais pas où. Je la vois pas du tout. En théorie, je devrais la voir à travers les murs. Repère du bois sauvage. Tige cloche. Moi, je la vois vraiment pas.
Celle-là, je sais pas où elle est. Bon, je vais pas non plus trop traîner dessus. Je vais aller là. On verra bien ce qu'il y a. On viendra plus tard s'il faut, mais je la trouve pas en fait. Alors, c'est quoi qu'il y a ici? Mais il n'y a plus rien en fait. Ah, si. Une petite cloche encore. Ah, je peux pas aller. Ah, je peux pas aller, donc ça fera peut-être le faire plus tard quand je pourrai voler dans la zone. Pas par là. Ok. Ouais, vu que je peux pas voler. C'est peut-être peine perdue. Wow. Ah, décidément. Quelque chose t'a fait peur? Je la vois pas non plus, tant pis. Comme je peux pas voler où je veux, c'est un peu embêtant. Qu'est-ce qu'il me resterait? Il me reste les trucs là-haut, encore ici. Les trucs tout là-haut. On va aller là. On va monter tout, tout en haut. Est-ce que c'est la bonne hauteur? Enfin, on est encore beaucoup trop bas. Ça doit être là-haut. Alors, est-ce que c'est ici ou c'est encore plus loin? On y est. C'est quoi? C'est pas un totem quand même ça. Panier d'équipement, ok. Donc il faut atterrir. Panier d'équipement pour Ikran, il doit être quelque part dans le coin. Ah, il est ici. Le voilà. Et on obtient des ornements avancés à creux. Je vous montre où on est. On est ici, tout en haut. On est là. Maintenant, on a encore un objet ici et on a encore un objet là. Donc, on va aller ici. Là-bas. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à ramasser dans le coin? On sait jamais. Non, ça n'a pas l'air. Ok, on va reprendre notre monture. On va au point suivant. Alors, plus haut ou plus bas, je me souviens plus. On a plus ou moins la même hauteur. Ça doit être là-bas. Ça doit être ici, à mon avis. Hop, oui, c'est ici, on va atterrir. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, on est bon. C'est un panier d'équipement encore. Faut juste le trouver. Ah, on va être dans le coin. Le voilà. Donc il est ici. Qu'est-ce qu'on obtient? Les ornements basiques.
Alors, on va voir, montrer où c'est. C'est exactement là. Et maintenant, on a une tige cloche ici. On va aller la récupérer aussi. Je pense que c'est un peu tout. Encore un objet là aussi. Pierre du compteur. Oui, ça en a déjà été. Il y a encore une pousse là, en bas. Donc, on va commencer par la tige cloche ici, si on arrive à la voir. Ici. Donc là, il faudra redescendre. Donc, on va aller récupérer l'icrane. Ou bien, on le rappelle ici. Est-ce qu'il est exactement... Il est à 54 mètres. Bon, non, on va les récupérer. Récupérons l'icrane ici. Ah, maintenant, il faut descendre. Quelle hauteur exactement? Où est-ce que je suis? Ouf, je suis là-bas. Pas toujours évident de savoir exactement à quelle hauteur on se trouve. Avec la verticalité, c'est quand même pas évident. On est quasi bon. Faut encore être un tout petit peu plus bas. On va atterrir ici. Je pense qu'on est peut-être bon. Voyez encore, c'est pas sûr. J'essaie de la repérer. Je la vois pas, où est-ce qu'on est exactement? Ah, c'est tout droit devant. Hein. C'est peut-être sur un autre bloc. C'est peut-être... Non, on est bon. On est tout juste dessus. Je vais quand même... Hop, altitude élevée. Bon, ça va. On va essayer de la trouver maintenant. Ouf, hop, je suis tombé. Ouf, de justesse. Ah, j'ai évité la catastrophe. On va essayer de trouver cette... Est-ce que c'est encore plus bas? J'ai l'impression qu'on est vraiment dessus. Change de repère. Je pense que c'est encore plus bas. En tout cas, je la vois pas ici. Donc on va descendre encore un peu. Peut-être de nouveau dans une grotte. Hein. Ouais, on est vraiment tout près. Hein. Je vais me descendre ici. Essayer de la trouver. On s'attaque de partout. On va déjà prendre ça aussi. Récolter. Voilà. Exemplaire pluie. Ça c'est bien. Reste encore à trouver. Elle est là. Elle est à la pousse, elle est là-bas. Ok. On va voir ça. Il y a encore un truc à récolter ici. Récolter. Exemplaire pluie, bah parfait. Est-ce qu'on devrait pas descendre ici pour aller trouver la... Où est-ce qu'elle est la tarsie? Où est-ce qu'elle est la truc? Je l'ai vu, elle est là-bas. Je pense qu'il faut descendre, elle est plus bas. On va descendre par ici. Elle est là. Oh là là, elle est sur le bord du truc ici. Donc en fait, elle se trouve exactement ici, sur le bord, là où je suis maintenant, là. Elle se trouve là sur le bord, c'est vraiment pas évident. Je vais essayer de vous montrer un peu les alentours, ça peut peut-être vous aider, c'est pas facile. Allez, on va la toucher. Encore une chose de faite. Alors, voyons voir où est-ce qu'on peut aller maintenant. Celle-là, c'est fait. Est-ce qu'il y a encore des trucs en hauteur? Alors, il y a encore des tiges cloches en bas, ici, notamment. On en a encore une là, en bas. Et on a un camp voyage rapide, donc on peut le marquer. On va aller au camp Bosquet Ombragé Navi. C'est parti. Impossible que c'est en combat. Tiens, on est en combat.
Bon, ben, on va descendre. Bon, je vais sauter carrément et appeler l'Ikram. Voilà. Et maintenant, je vais aller au camp Navi. Mais je sais plus où il est. Donc, j'avais pris la tige cloche ici. Et donc, on va aller au camp Navila, le bosquet ombragé. Voyage rapide. On peut pas. Toujours soi-disant, toujours en combat. On va descendre. Alors, voyons voir si maintenant on peut y aller. Pourquoi il dit que je suis en combat? Bon, bah, tant pis. On va y aller à Dodikran alors, hein, s'il veut pas. On va faire le voyage rapide. Sacrée descente. Hop, on freine. Alors, il est censé être quelque part dans le coin, je suppose. Alors, il est censé être en bas de toute façon. On est pile au-dessus. Hein. Je vais encore descendre. Est-ce qu'il y a de nouveau une... Allez, je vais... Hop, descendre ici. Est-ce qu'il y a de nouveau une grotte ou quoi? Je pense que c'est pas celle que je cherchais tout à l'heure. Hein. Je sais même plus parce que... On part dans tous les sens. Ah, je suis vraiment dessus. Je la vois pas. On va prendre ça. Est-ce que j'ai assez de trucs? Ouais, c'est bon. Ah, c'est pas vrai. Sale bestiole. Un de moins. Merci pour ces cadeaux. Bon, faut que je dégage de là. Je sais vraiment pas où elle est cette tige cloche, quoi. Hop. Merci pour ces cadeaux. Pas celle-ci, je sais vraiment pas où elle est. Piste des ailes lames, laboratoire, clair de lumière, répit du chasseur, qu'est-ce qu'il nous reste encore ici? Grotte, eau paisible, image mémorielle, ok, ok. Encore un truc là. C'est encore un truc là, tiens. Il y a ça aussi à récupérer. Hein. On va essayer déjà de prendre ça. Où est-ce que je pourrais apparaître pour bien faire? On pourrait apparaître ici. On va apparaître là. Donc on est maintenant au prospecteur laser Charlie. L'arbre est ici. L'arbre maison. Et donc on est ici et on va aller là. Et puis ici chercher la pousse. Et là essayer de prendre la compétence connexion profonde. C'est parti. On prend l'Ikran. On dirait une sorte de raffinerie. Oh, une raffinerie. Hop, on va l'attaquer. Encore une installation de la RDA qui extrait du pétrole et le remplace par des eaux usées. Allez, go.
On va s'équiper avec un arc. Ouf, c'est un gros truc ici. Hein. Voyons voir le niveau de la base. Avant-poste, bravo. On va y aller. Alors, comment est-ce que je peux faire? Il faudrait que je grimpe pour bien faire. Parce que mon crâne, il va pas tenir le coup. Ou bien je dois... Ah, c'est tout le truc ici, en fait, qui est pollué par ce bidule. Bon. Je vais aller par là. On va essayer de contourner par ici. Il y a des racines pour grimper. Ah bah on arrive déjà à la base. Oups, bah c'est bon. On voit les canons. Ok. On peut rentrer par ici. Cool. Cool, on peut rentrer par ici. Donc vous pouvez rentrer par là. Hein. Là au coin, vous pouvez rentrer dans la base. Ça, c'est cool, peinard. Hop. Il y a des tourelles un peu partout. On va essayer de pirater une tourelle. Bon, là, on est bien. On est planqué. Ah oui, il y en a un là. Il faut essayer de ne pas déclencher l'alerte. Ok. Là aussi. Bien. Bon. Aucune munition ne sera fournie si les formulaires R48A des correspondants n'ont pas été signés par votre commandant. Commencez par essayer de détruire celui qui se balade là. Rééquiper, être sûr d'équiper l'arc lourd. Voilà, c'est bon. Je vais tirer dans le dos, moi je vais essayer. Oups. Raté. Il y a tellement de boue dans ce coin. Veuillez vous rappeler que l'air de Pandora peut vous tuer en quelques instants. Les tourelles sont là. Il y a un robot là. Il faudrait essayer de tirer dans le dos. Hein. Raté. Ah, malgré que. Enfin, raté aussi. L'autre arrive. Il ne pas qu'il monte. Hein. Ce qu'il est là. Donc ça, c'est bien. Je l'ai raté, je ne crois pas. Et zut, je l'ai raté. Oh, c'est malin, quoi. Moi, je vais me mettre là. Je vais refaire des flèches pendant ce temps-là. Je vais passer sur le fusil à pompe. Ah, il appelle des renforts, zut. Bah, tant pis. On fera les renforts avec. À tout le personnel de là-bas, nous attendons l'arrivée imminente de nouvelles recrues pour nous aider à lutter contre les nazis. Tant pis, on va y aller en force. Hein. C'est pas son foutu. Oh, la porte est là. Une alarme a été déclenchée dans la base. À toutes les unités, préparez-vous. Ah, là, le truc, je vais essayer de le... Est-ce qu'il va déposer les renforts? On les a déposés ici. Boum, les renforts. Voilà, comme ça, terminé tout de suite les renforts, on n'en parle plus. Encore un autre qui me tire dessus, je sais pas d'où. Ah, d'en haut là. Ah là, là. Je suis tombé. Voilà. J'essaie de pirater une tourelle ici. Je vais faire LB, Y. Et la pirater ici. Attention, présence de site dans la base.
Alors voyons voir ça. Fouf, 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 fouf. Par là, par là, par là. Par là. Par là. Par là, par là, par là, par là, et c'est bon, on l'a, elle est à nous. Une alarme a été déclenchée dans la base. À toutes les unités, préparez-vous. Bon, on continue à faire le nettoyage maintenant. On n'a plus trop le choix, on a déclenché l'alarme, donc... maintenant, il faut foncer. Un galabo, là-haut. Ah, c'est une tourelle. Voilà, bon, c'est terminé. On se soigne. Voilà. Donc on va avoir quelque part des ennemis. Hop. Voilà, je suis mal bas. Ils sont un peu trop nombreux là, mon coup. Il va y en avoir un quelque part, mais je sais pas où il est. Là, il est là-haut. Ah, terminé aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut désactiver toute une série de choses. Il y a un truc là désactivé. Il y a un truc là-haut apparemment. Où est-ce qu'il est? Bon. Ici, là-bas. C'est en haut. C'est une armoire à munitions, ça. L'inventaire est plein. Ah, il y a un truc là. On va grimper. Attention, présence hostile dans la base. C'est ici, peut-être. Bah non. Tiens. C'est quoi ce truc-là? Ah, par contre, il y a un truc à prendre. Pièce détachée. Mais où est les trucs? Où sont les trucs que je dois activer? Là-bas. Oh, il y a plein de robots autour. Attention, hop, ici. Dans la base. Mais ouais. Ah, voilà. Position défensive, c'est bien, mais... Faudra faire mieux que ça. Bon ben, où est-ce qu'il faut activer? Ah, ici. Allez, première chose faite. Un truc là-bas. Là-bas, ici.
ça a l'air d'être à l'intérieur, sur le mur ici. Bon, par où est-ce qu'il faut aller? Bah, c'est ici, hein. Je vois la poignée, mais j'arrive pas à... pour des soins. Où est cette fichue poignée? Faut grimper par au-dessus. Peut-être aller par au-dessus. C'est-à-dire qu'il faut aller par là, grimper ici. On va faire ça, hop, 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 et passer par la hauteur. On va passer au-dessus. Voilà. On sait où maintenant? C'est ici, peut-être, non. Passer où? Bah, je la vois plus maintenant. Une poignée là. Ça, c'est une armoire à munitions, c'est pas ça. C'est ici, hein, c'est là. On dirait que c'est dedans. Non, on peut pas tirer. Oh, où est-ce que c'est? On dirait que c'est vraiment là. Et si je tire dans ce truc-là, ça va le, ben, ça le pètera pas, mais... Alors ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit. Ouais, c'est vraiment là. Hein. Je sais pas comment on y accède. Bon, je vais faire les autres. Je vais tout détruire et puis basta quoi. Celle-ci est détruite. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à faire dans le coin? C'est toujours pareil, hein, ce machin-là, mais... Comment est-ce qu'on rentre dedans? J'arrive pas à comprendre... Comment je peux y accéder. Excusez-moi, bon. Je vais faire l'autre truc là, je reviendrai après. Il y a un truc là-haut apparemment. Il y a un truc là-haut, et il y a un crochet pour monter. On va prendre le crochet pour monter. Voilà, ici, et on monte. Ok, là, c'est toujours pas ça. Ah, il y a un truc là. De nouveau, hein. Il a l'air dedans. Une vanne. Il y a une vanne à fermer. Attention, présence de suite dans la base. Il y a une vanne. J'arrive pas à sauter. Où est-ce qu'elle est cette vanne? Ici. Là, je la vois là. Mais... Il y en a une ici aussi, hein. Ah, mais misère quoi. Je tourne en rond. J'arrive pas à trouver l'endroit où est la vanne. Elle est là, hein. Elle est ici, mais on dirait qu'elle est à l'intérieur. Ah là. Ok, bah non. Est-ce que je peux péter la vitre ou quoi? Ah, je peux pas péter la vitre pour rentrer. Comment est-ce qu'on rentre là-dedans? Par là. Ok. Une alarme a été déclenchée dans la base. La vanne est ici. Ok. Ça, j'ai compris. Il ne reste plus qu'un truc à faire.
désactiver le bidule. Encore faut-il savoir où c'est. On va aller chercher des munitions. Il y avait une armoire à munitions pas loin, elle est là. C'est fait. Bon, et maintenant, c'est peut-être ce truc-là. On va détruire le truc. Hein. Hop, ici. On est tranquille. J'ai l'impression que c'est là-bas. Ouais, c'est là où j'étais tout à l'heure. À mon avis, il y a une entrée aussi quelque part. Pour y accéder. Hein. Je crois que c'est le dernier truc à faire. Mais par où est-ce qu'on rentre? Ça, c'est la bonne question. Ici, on est au-dessus. Je vois pas d'entrée. Je descends d'un niveau. On va aller là. Est-ce qu'il faut... Eh, il faut peut-être pirater. On va essayer de pirater. Ah, c'est ça, il faut pirater. Ah, il fallait pirater, en fait. D'accord. Je pouvais pas rentrer, en fait. Il faut ouvrir la porte. Ça, j'avais pas capté. Faut remonter en haut. Donc de nouveau faut remonter, faut de nouveau refaire tout le tour. Hop. Il y a un truc là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Ça, c'est bon. Ok. On suit le truc. Vers le bas. Bon, je vais prendre de l'énergie, hein, je pense. Je vais prendre de l'énergie ici. Voilà. Faut descendre. C'est toujours pas ouvert. Hein. Il y a un autre truc là-bas, de l'autre côté. Ici, quelque part, je sais pas où c'est. Il y a... Le boîtier est là. Ah, pourtant, ça a l'air bon. Hein. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Sauf toujours pas. Faut peut-être encore faire une action sur le truc. Bon, il faut aller remonter dessus. Peut-être il fallait encore pirater l'autre truc. Ouais, je crois bien que c'est l'erreur que j'ai faite. Bon, il va falloir remonter de nouveau dessus. Je suis désolé, mais j'avais pas compris ce qu'il fallait faire. Je crois que maintenant il faut hacker le truc en fait. C'est ça que j'ai oublié de faire. Faut retourner dessus. Et le hacker. Pour retourner là où est le truc, ici au-dessus. Et là maintenant je crois qu'il faut le hacker ici, c'est ça que j'ai pas fait. Je crois qu'il faut le hacker, mais je sais pas comment on fait. Bah non. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Faut le hacker. C'est bien ça. Alors hop, 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 ouf, hop, 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 hop. Ah ben c'est pas évident. Hein. Et maintenant, on... le pirate. Et ça va ouvrir la porte. Ou péter le truc. Ah ben voilà. Fallait pas rentrer dedans en fait. Il fallait simplement hacker le boîtier. Je ne savais pas. En tout cas, c'est fait.
L'avant-poste de forage Bravo est détruit. Et on peut récupérer encore une petite tablette. Ils ont réussi à emporter une bonne partie dans la précipitation. Alors, des pièces détachées. Ici, les missions spéciales, l'inventaire est plein. Ici, pièces détachées. Un conteneur ici. Ah, celui-là, il doit être piraté. Alors, c'est parti. Hop. Celui-là, pas très compliqué. Hein. Hop, hop, hop. Et hop. Fusil à pompe, marteau-piqueur 130. Ben non, du 140, nous. L'inventaire est plein. Une tablette ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à récupérer? Et une armoire pour les munitions. Inventaire plein. Ben, je crois qu'on a tout récupéré. Ah, il y a encore un truc là. Non, l'inventaire est plein. Bon, ben c'est tout. C'est tout, il n'y a plus rien. Ah si, il y a ceci. Le tableau de service x1. Ça, c'est bien, on va pouvoir acheter un nouveau truc. N'oubliez pas de prendre le tableau de service. Hein. Ce serait dommage. Ok, on peut voir dehors s'il y a encore des trucs à récupérer ici. Alors, est-ce qu'on a encore... Oh, on n'est pas au max. Flèche de chasse lourde. Voilà. On va continuer à fouiller un petit peu. Voir s'il y a encore des trucs qu'on a ratés. Il y a déjà ça à récupérer. Peut-être encore des conteneurs à gauche, à droite. Je vois plus vraiment grand chose. Des armures, des trucs à munitions. Ça oui. Bon, tout ça c'est fait. Des trucs ici, mais c'est des... Des trucs de pièges. Moi, je crois qu'on a tout récupéré ici. Hein. Encore une caisse là-bas. Bon, je crois qu'on a tout récupéré. Maintenant, nous, on voulait aller là. Chercher la tige cloche, on va faire ça. Là, je vois vraiment plus rien. Allez, c'est parti. On va voir où est cette tige cloche. Appeler l'Icrane. On monte. Et c'est on parti. On y va, t'aimais. On a vu quelque part ici en haut. Hop, on freine. Eh ben, elle est là. La tige cloche est ici. C'est facile. Pour une fois, c'est facile. Allez, go, on saute. Donc la tige cloche est vraiment ici en haut. C'est vraiment super facile. Elle est vraiment là. Donc, pas de souci pour celle-là. C'est bon. Hep, un truc de fait. Et puis, il y en avait encore ici une pousse de Tarsiou. Allez, on va essayer d'aller la choper aussi. Alors, je vais peut-être me laisser tomber. Hop. Hop, hop. Ça, c'est pas malin. En fait, je tombe, mais je tombe pas comme je voudrais tomber. C'est pas grave. On va descendre normalement. Et voilà, ça devrait être bon. Oh, on a quand même pris du dégât. Oh, il y a des sales bestioles. Bon, c'est pas grave, on va courir. On va courir vers la tige, vers la pousse de Tarsiou, et puis c'est tout. Ils vont bien finir par nous lâcher. Alors, voyons voir ça. Elle est ici. On prend notre ami. On va vers la pousse. Ouais, c'est pas la bonne touche. Wow. 80 mètres, on n'est pas très loin.
On va être quelque part dans le coin. Peut-être dans une grotte, hein, de nouveau. Ou dans l'arbre. Ouais, c'est peut-être en dessous de l'arbre. Ouais, elle est en dessous de l'arbre, je la vois. Ok, elle est là en dessous de l'arbre. Donc vous avez ici l'arbre, le grand arbre. Je vais vous montrer où on est. On est exactement là sur l'île. Vous allez dans le grand arbre et la poussez là. Et ça vous fait un point de compétence supplémentaire. Et voilà. Elles sont souvent dans les arbres. Hein. Alors je sais pas combien de points ça nous fait. On va voir ça. Ça nous fait 3 points. Ça c'est intéressant, tiens. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos 3 points? Je sais même plus ce que j'avais décidé de prendre la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Cuisiner un plat, une chance de produire gratuitement un deuxième. Pff, ouais. Tous les experts navires, ouais, ça on avait pris. Vous créez 2 fois plus de munitions de base à chaque fabrication. Double la quantité d'ingrédients de cuisine obtenus lors de la cueillette. Flèche de sage ne se casse plus à l'impact et vous pouvez les ramasser pour récupérer. Off, ouais. Flèche solide, pff, bof. On peut en fabriquer très facilement quand même. Bon, on va pas prendre fabricant. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Chevauchée harmonieuse, énergie améliorée. Pff, j'ai pas encore eu de problème d'énergie avec les crânes. Ici, chasse. Vos dégâts de base augmentent de 10%. Vous pouvez désormais porter 2 fois plus de flèches et de munitions, ça c'est fait. Les grenades, j'en utilise pas. 15% de dégâts en plus aux ennemis marqués, ça c'est bien, c'est pas mal ça. Il me restera 1 point, c'est ça? Ouais. Bon, on va laisser comme ça. On va laisser ce point pour plus tard. Donc, hop, c'est bon. Je voulais voir si je pouvais pas trouver un truc pour me guérir. Il va y avoir une plante ici quelque part. Pour se guérir. J'ai appelé le crâne. Je cherche encore une plante pour me guérir avant de mettre fin au let's play. Où est-ce qu'il est passé? Il est là. Ah, c'est parti. Il y en a souvent près de l'eau. Tiens, c'est quoi ce truc là? Atterrir. J'ai repéré quelque chose là. Ici. Alors. Récolter. Nuit exemplaire, parfait. En prendre 2 comme ça, ça fera déjà ça de fait. Moi je sais pas encore trouver de plante pour me soigner. Ah, c'est quoi ce truc là? C'était quoi ça? Wow. Ah, une explosion là. Qui m'a un peu surpris. Peut-être la foudre. Terre, ça règne tout. Je cherche toujours de quoi me soigner, mais j'ai pas trouvé, c'est pas grave. Si je trouve pas, je... Ah bah ici, tiens. On y est, hop. Ah mais c'est pollué, je crois. Ah, c'est pollué, bon. Si je veux me soigner, je vais changer de zone, hein, ça sera mieux. On va aller quelque part près de l'eau, par exemple. Ici. On devrait pouvoir trouver des trucs de soins. Tiens, fouiller. Tiens, c'est revenu ou quoi? Ah, une nouvelle quête. Les Kinglords ont commencé à quitter notre arbre maison. Mais il en reste encore beaucoup. Et Tua n'aime pas demander de l'aide. Mais je pense qu'elle a besoin de la tienne. Nouvelle quête. Elle sur partie 1. Ah ben voilà. Et on a tout ce qu'il faut au niveau des soins. Donc on va s'arrêter ici. Donc on est allé ici
au refuge des eaux sur Paisible et on a chopé une nouvelle quête. Et on va arrêter le let's play ici. Je vous dis merci et à très très bientôt pour la suite.